Ouais, en dépit de tout ça, il y a eu autant de grèves. Tout le monde a bien marché dans le pays. Oui. Vous faites comme ça? Oh, ah, mon cher. Même si vous avez tout le bagage, toutes sortes de guillemets, trois jours grève, plusieurs jours manifestation, pays lock, moun ka fou descend, toutes sortes de, tout le bagage sous contrôle. Le ministre des Affaires étrangères, sous podium Nations Unies, je dis tout le monde pas inquiété, nous, monsieur dit Nations Unies. Je dis, gardez, monsieur dit, ouais, tranquilo, todo está bien, el gobierno contrôle la situation. Je dis tout le bagage ok dans le pays, même je paquet malandré, t'as dit. La question m'a posé, est-ce que là on chef d'État, est-ce que l'on responsable dans le pays, est-ce que là on va connaître, on représente un gouvernement déplacé, est-ce que l'obligé parler salami? Le négal représente Haïti sous podium Nations Unies, est-ce que l'obligé parler salami? Sous pas jeune anye pour parler, est-ce qu'obligé parler? Plusieurs nèg fait nous ça, oui, yo passe, yo dit nous, le arrivé sous podium Nations Unies, yo dit tout est ok en Haïti. Tout bagay sous contrôle. Alors que, on peut pas mourir grand goût. Et ouais, on imagine. Ouais, pendant que je dis tout bagay sous contrôle, moi, il faut attendre. Représentant la Russie. Attendez, mes amis. Nagla déplacé, l'aller dans 76e, 17e Assemblée, Nations Unies. Je dis Nations Unies, tout bagay ok en Haïti. La PNH, la police nationale d'Haïti pour contrôler tout bagaille. Alors que l'obtendé on sait de l'autre représentant. Yo dit yo gen toute information yo au courant. Bagaille la tête en bas en Haïti. Donc maintenant il est qui encore? Il est c'est le ministre des Affaires étrangères. Ah mais bien sûr, cet ministre dont la situation en Haïti lui est étrangère. Mais bien sûr. Parce que si monsieur K dit nous tout bagay ok en Haïti, eh bien, ou pas besoin de nous. Vous comprenez ça? Si monsieur dit tout bagay ok, eh bien, certainement, il est ministre des Affaires étrangères. Les affaires du pays, lui, sont étrangères. C'est clair. Parce que monsieur seul monsieur avec gouvernement, qui pas de contrôle, qui pas comprendre. Ça qui a passé ici en Haïti, là, ce bagay qui est archi grave. Blanc dit ça. Représentant la Russie a dit. Et moi, il faut attendre, mesdames, messieurs. Ou d'abord, bon, il faut attendre. Ministre des Affaires étrangères là, Victor Généus, sous podium Nations Unies, kap dit tout le monde tranquille, kap dit tout le monde, tout bagay ok. Et ça qui fait demander, est-ce que là nous arrivons sous podium Nations Unies, est-ce que là nous représentons le pays, est-ce que nous obligés par les salami? Parce que, moi je toujours apprendre moins, quand on n'a rien à dire, il vaudrait mieux qu'on fasse silence. Il vaudrait mieux qu'on garde le silence. Nous supposons qu'on pas qu'être pays qui allait, donc ils ont juste cherché ça pour yo dire. On imagine Victor Généus, le ministre des Affaires étrangères, d'où les affaires du pays lui sont vraiment étrangères. On a monsieur le représentant d'Haïti, pour c'est là où ici qu'a demandé justice pour Jovenel Moïse. En tant que ministre des Affaires étrangères là. Face à la brutale détérioration de la situation, le gouvernement s'est attelé à rétablir la sécurité dans le pays, susceptible de garantir la reprise des activités économiques. Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. C'est l'occasion de féliciter le professionnalisme de la PNH, la police nationale, qui a su reprendre le contrôle de la situation et limiter les dégâts face à des gangs mieux armés et mieux équipés. Jusqu'il l'a d'affiné avec Radot ça. Jusqu'il l'a d'affiné avec Bagay ça. Les gangs sont toujours mieux armés que les policiers. Comment faire nos pays? Un pays chef la police a touché, premier ministre a touché, directeur général de la police a touché, ministre intérieur a touché, ministre de la justice a touché. Et puis, kounya pou y a dit, les gangs sont mieux équipés que les policiers. Bon, je ne comprends pas ça. Non, nous c'est vraiment un pays à part. Ou a tout à fait nous spécial. Nous sommes vraiment un pays à part entière. Vous comprenez ça?
tout ça qu'a fait dans pays là, regardez ça qu'a fait à travers le monde avec ça qu'a fait en Haïti, après c'est deux bagages différents. C'est comme si nous prenons un petit coin dans la terre et puis nous habiter, nous dit voilà, on fait tout bagage selon nous-mêmes. Gang oui. Pour gang n'a mieux équipé que la police. Alors que nous toujours tendez, il y a une académie. OK? Donc gen une académie, dans académie policier yo hautement formé. Gagnent des pays qui se disent être amis d'Haïti qui gen responsabilité pour équiper la police. Et puis qu'on y a pour jodi a pour on nèg qui c'est ministre affaires étrangères pour dire les gangs sont mieux équipés que les policiers. Quand même toujours dit si ou n'pa quitter pays a déjà et pas faute et pas faute responsable dans l'état. Vous comprenez ça? Et pas faute non parce que yo créer situation, créer climat même pour tout le monde quitter pays a aller. Sur qui base? Sous qui critère? On est campé, on est là-bas, mais on honte. On pas honte, non? Pour la dire, les gangs sont mieux équipés que les policiers. A remarquer, chaque intervention, moun sa yo, son quantité bluff yo lagé dans l'estomac. Le Victor Généus te prend la parole déjà, nan nou Ariel Henry sous podium, non? Nous tout nous songe. Le monsieur tap di la police reprend contrôle situation en Haïti. Ça veut dire, non, ça n'a pas vivre là, oui. Pour j'en situation, ça y est là, oui, zanmim. La police reprend contrôle situation. L'État qui contrôle ça qui a passé en Haïti là. Eh bien, ok, bon, montre quelques images. Pendant monsieur dit l'État qui contrôle tout bagay. Pendant monsieur dit la police reprend contrôle. Bon, montre ou. Figure là, oui, ya. Bon, montre quelques images. Kou nou abral dim. Est-ce que réellement, il y a un contrôle. Kounyo pral di m ki sa l'état contrôlé là nan tout sa yo. An gade ansanm. Un cafou papa. Un cafou cap descend. Cafou ap descend à toute force. Un peuple cafou ap prend la rue. Un peuple cafou ap prend la rue. Ça c'est peuple cafou. Pep Cafou a dans la rue. Pep Cafou a baba. Tout Pep Cafou a dans la rue matin. Aïe, son nec, il pague piscine, il pague madame, son machine. Aïe, 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 aïe
Amis téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, un gros bonsoir pour nous tous. Causant problème gaz, insécurité, la vie chère, kidnapping. Commune Kafou arrivé l'autre pour journée lundi 26 septembre 2022 à la. Côté que il y a une grosse manifestation qui a déroulé. Le Kafou a demandé des pas premier ministre de facto, Ariel Henry. L'État dit le contrôle ça, oui. Et dans la zone là, gros femme ancien 3 mois qui prend une balle. Non, va actuellement là, bandit by gouvernement défi, yon va kal pour goutte gaz en bas. Victor Généus dit nous, le gouvernement a le strict contrôle de la situation. Le ministre des Affaires étrangères nous dit. Le gouvernement contrôle la situation. Parfaitement. Imaginez, mesdames, messieurs, un pays qui presque à feu et à sang actuellement là. Pas de gaz. Bandi bloqué gaz là. C'est pour le gouvernement. Mais une chose est sûre, c'est que pas de camion qui fait le plein. Et monsieur dit, le gouvernement contrôle la situation. Je dis à la. Y a dit ou yon ti mami de poids. Tendez mes amis, tendez le peuple. Un ti mami de poids vend $50, 250 goud ti mami là. Le gouvernement contrôle la situation. Vous comprenez ça? L'école ta doit ouvrir dans environ 7 jours. Et ta pays ça est là. Ou est-ce que le climat pour l'école ouvri? Le gouvernement contrôle la situation. Mais yon kidnappé plusieurs moun la parmi yo, yon cadre du ministère de l'éducation nationale. Le gouvernement contrôle la situation. Nèg kwa de bouke repren force. Vous comprenez ça? Nèg kwa de bouke, mesdames, messieurs, yon redoublé d'efforts là. C'est moun yon kap plede pren bal dans zone moun kabrit. Vous comprenez ça? La plaine c'est pas parlé. On imagine, oui. Canaan, li tourne yon désert, tout nous l'enfer. Mais le gouvernement contrôle la situation. Est-ce qu'on comprend dans qui pays ou y est là? Est-ce qu'on comprend nous faire face, mesdames, messieurs, avec Conseil de Moun? Et les États-Unis d'Amérique continuent à porter support, appui à Ariel Henry. Yon légitime Ariel Henry. Yo pour bay monsieur tout bourade. Mais toujours dans le 77e Assemblée Nations Unies, yo mandé Ariel Henry ou encore yo mandé gouvernement pour yo présenter yon programme. Yo gagne quoi jusqu'au 17 octobre prochain pour yo présenter yon programme. Pour yo présenter yon plan pour yo montrer dans qui niveau yo prêt. Pour organiser élection dans le pays en 2023. Vous comprenez ça? Yo mande peuple, est-ce que le peuple haïtien, est-ce que n'a valé ça? Est-ce que n'a rete prend ça dans mes blancs? Comme si pour nous supporter Ariel Henry. Nous sommes un petit malin de TV qui te dit nous. Mandat Ariel a fini 7 février 2024. Et bien, on garde un bagay pour eux. Imaginez, blanc by Ariel Henry, 17 octobre, pour le présenter un calendrier, pour le présenter un programme, un plan pour élection. Donc, vous comprenez, élection, la bien pour le faire en 2023. Et qui date élection nous toujours fait, selon la Constitution. Et pas période novembre-décembre. Laisse ça, nan novembre-décembre 2023. Donc, moun qui pral élu a vraiment, laisse ça, mesdames, messieurs, qui l'heure, li pral monter 7 février 2024.
Ou pas comprendre. Et là, moi, so je me dis, nous m'dap analyser, me dis, là, ouais, si malin de intervenir, il dit ça, et vous elle. Ou pas comprendre. Comme si, si vous avez de voix autorisée dans le pays à qui dit, si vous avez de leader que tout le monde connaît qui dit, ou pas de problème avec ça. Ou bien qui est-ce qui fait bail, ils utilisent un tchoul. Ils fait passer ce message là. Mais on pas qu'à pas de message là passé quand même. Maintenant, on t'a questionné le qui. Qui est-ce qui baille? Parce que puisque c'est monsieur Paul Géo Jean-Baptiste, peut-être qu'on va dire, ah, son nèg qui a pensé, pas occupé, ça, monsieur dit, il connaît le baka vrai. Mais écoutez, il a été téléguidé. C'est un messager. C'est ça de comprendre lui. Monsieur, son message, il a été bal poté. Il est juste venu le poté, message là, Jean, il a été bal là. Wap ge tan konnen. Ou nan ki sopran? Kou nan an juste imagine yon peyi avec Ariel Henry. Ariel Henry plus de nan encore. An imagine yon peyi avec Ariel. Nou val passe plus de nan encore avec Ariel nan tèt li. Nap sou n'importe 4 monte gaz. Parce que nan espace 1 an, li ba nou 2 monte gaz. Si la font 1 an encore, li val ba nou 2 lot monte gaz. Val fè nou 4 monte gaz. Ah, c'est un bagage, monsieur, fait pi bien là, monter gaz. Est-ce que tête nous droite? Est-ce que nous t'aime? Est-ce que nous comprenons ça veut dire diriger un pays? Nega aller sous podium Nations Unies, c'est menti seulement la baille. Moi, faut attendre représentant la Russie qui t'a parlé de la situation qui prévaut actuellement en Haïti. Ce bagage était chargé. L'invite entendez, mesdames, messieurs. Elle était profité également mandé justice pour Jovenel Moïse, ce que notre représentant n'a pas su faire. Pourquoi attendez? Nous saluons la présence ici des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Les nouvelles selon lesquelles la situation à Port-au-Prince est en train de se stabiliser nous inspirent de l'espoir. Néanmoins, tout porte à croire que le pays reste à deux doigts de la catastrophe. Il y a là-bas une véritable guerre des gangs qui, pour la population civile, entraîne des enlèvements, des pillages, des violences. Et chacun a déjà l'habitude de craindre pour sa vie. Le résultat prévisible de cette situation, ce sont des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de supprimer les subventions sur le carburant. Et les désordres à grande échelle qui accompagnent ce phénomène les appellent à la démission des dirigeants du pays. Nous entendons des déclarations sur lesquelles c'est la mafia et les oligarques locaux qui se trouvent derrière ces manifestations, ainsi que leurs parrains. Mais les tentatives d'améliorer la situation et de faire baisser l'insatisfaction de la population sont clairement inadéquates. Nous avons affaire à la frustration de la société qui a perdu confiance dans les autorités. Nous n'avons cessé de dire qu'il était indispensable d'avoir un large dialogue politique et de lancer un processus d'élection et de réforme. Malheureusement, nous ne voyons aucune action cohérente et ciblée visant au retour d'Haïti sur la voie constitutionnelle et celle du développement. Nous sommes particulièrement déçus par le fait que les acteurs extérieurs qui disposent véritablement de la vie du pouvoir à Port-au-Prince ne prennent pas de mesures visant véritablement à régler la crise dans le pays. En fait, ils ignorent ce qui se passe. Nous connaissons tous la difficile histoire d'Haïti. Nous savons de quoi il s'agit. Les appels à se tenir aux côtés d'Haïti, lancés depuis la tribune de l'Assemblée générale, ne suffisent pas. Il faut faire des efforts pour que l'assassinat du président Moïse, il y a 14 mois, soit enfin élucidé. Et les coupables doivent être punis. On ne peut pas ignorer le fait que ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays. Et que ça fait longtemps que les pouvoirs du gouvernement et d'une grande partie du Parlement ont expiré. Y compris dans le contexte de la signature en 2001 de la Charte démocratique interaméricaine. Mais des problèmes bien moins graves dans d'autres régions suscitent les critiques et les menaces des membres du Conseil. Je crois que vous devez être honnête et soit appeler un chat, soit
reconnaître que vous appliquez le deux poids deux mesures concernant différents pays à l'ordre du jour du Conseil. Madame la Présidente, la communauté internationale doit véritablement corriger ses erreurs, définir les véritables besoins des Haïtiens et définir les moyens de véritablement les aider. Sans ingérence dans les affaires intérieures du pays, qui, comme le montre l'histoire, ne mène pas au résultat désiré. S'agissant le projet d'instauration de sanctions ciblées contre les chefs de gang, nous sommes prêts à l'examiner. Il est indispensable d'interdire aux chefs de gang l'accès au financement et d'empêcher leurs déplacements. Mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure ces chefs de gang utilisent les comptes étrangers et les voyages à l'étranger. Est-ce que ces sanctions ciblées contre eux permettront vraiment de modifier la véritable situation dans le pays où les chefs de bande se sentent comme chez eux? Il convient d'accorder toute notre attention aux itinéraires du trafic d'armes et des flux financiers illicites. Tant que nous ne stopperons pas la contrebande d'armes, elle continuera à alimenter la spirale de la violence dans ce pays qui mérite depuis si longtemps la paix et le développement. Nous tous nous comprenons. Ouais, comment nous sommes pour retracer la situation, nous? Mais le gouvernement dit qu'il y a un contrôle de la situation. Il y a plusieurs personnes là, dans la factory sous l'aéroport, parc industriel. C'est ratiboisé ou ratiboisé, moun sa yo a ba lui. Mais l'État dit qu'il contrôle la situation. Posez-vous. Est-ce qu'on comprend dans ce point? Est-ce qu'on a qui complot ou prend? L'État dit nous li contrôler entièrement tout ça qui a passé dans le pays. Ya. Ça veut dire, moun kap mouri yo, c'est l'État qui tue yo. Parce que comment on peut l'expliquer? Ou gen entier contrôle en situation et puis pour que tout dérive ça yo, et mais finalement c'est ou même qui cause yo. Non, finalement c'est ou même qui auteur crime ça yo. La situation est grave. Et c'est ça qui pi dérange nous, c'est le dirigeant nous yo déplacé y aller un côté pour se mentir al bay sou do nous. Ou a représentant la Russie. Monsieur toqué tête communauté internationale là. Monsieur m'a même yo dû et yo mérite elle. Parce que l'on comprend mesdames messieurs. An imagine tout ça qu'a fait là en Haïti. Communauté internationale là yo pour beaucoup là dans. Yo nommé dirigeant, yo fait ça yo vle. Ingérence non fort là. Et puis malgré ça, nous dans état ça. Malgré ça, nous dans situation difficile nous est là. Donc là où ici mandé la communauté internationale pour agir avec plus équité. Agir sans partialité. Et pour que finalement Haïti li sorti nan niveau difficile lié. Mais ce n'est pas une chose difficile, je l'avoue. OK. Parce que Haïti représente aujourd'hui la poncée de pays, une véritable source, une véritable mine d'or. Mais pour mieux exploiter mine, c'est dans la boue pour yon passer. Faut que yon transforme espace là en la boue pour qu'a jouer une possibilité même pour yon ka vinn exploiter. Si Haïti prend le développement, yon pa gen possibilité pour yon vinn là pour vinn mettre en pointe yon. Si Haïti reconnaît capacité, le valeur, richesse li, li pa permettre blanc vin la. Et blanc connaît tout le pap ka vin la. Ou pas la aussi a li plaide en faveur yon bonne coopération. Li mande communauté internationale la pour faire exactement sa peuple a besoin. Répond à besoin peuple la. Combien fois m'a dit ou? En pile fois ou yo di ou? Ya bon. Par exemple, ou qui doit là et puis moun nan di ou kon sa k passé? Ma bon moto. Un exemple. Mais pou t'ay pa moto, besoin son kay ou besoin pour dormir. Est-ce qu'on comprend moi? Le fait que ou pa identifié besoin ki c'est moun k'ap défini besoin pour ou, yo décider yo bò sa yo vle. Ou quoi comprendre ça k'ap di là? Le fait
yo pas défini priorité ou. C'est moun qui décide. Yo dit ah en fonction de eux-mêmes, mais ça yo pense qui ka priorité ou. Parce qu'on peut continuer comme ça. Ou parce qu'on doit continuer comme ça. Ou ap lage l'avenir ou sous do moun, bay moun. C'est moun kap décide pour ou. Qui soit vle, qui soit doué fait, qui soit vaut. Et c'est ça que fait. Tout nèg qui passe dans le pouvoir, yo fan ou ak menti. Depuis nèg la passe là, li a meilleur façon pour le kembe pouvoir. C'est menti pour le bon. Li patoje ou nan mensonge. Yo déplacé yal bay menti sou do nou. Et pa gon dirijan ayisyen k pase k pa fè sa. Lè tout m'ap di ou. Faut qu'on redéfinir la politique haïtienne. Faut qu'on repense les choses. Non, on très sérieux. Parce que l'on regarde des caricatures figure moun qui va le représenter ou yo. Qui justement prend plaisir pour bay menti sou do. Fè couplon sou do bay menti, dit tout bagay ap marché. Yo parle selon yo même. Victor Généus gen toute raison pour le dire. Tout bagay sous contrôle. Parce que on imagine, li full sécurité, pas vrai? Monsieur a tout moyen pour fonctionner. Monsieur pas dans grand goût lui-même. Li pa gen problème gaz là lui-même. Insécurité a pas pour lui-même. Donc c'est tout à fait normal pour le dire l'état qui contrôle situation. Parce que nèg yo résumé tête yo à l'état. Ou pas comprendre? Nèg yo résumé situation pays là, yo résumé agent yo même y a vivre. D'ailleurs go paquet nan yo. C'est dans l'hôtel yo dormi, c'est dans l'hôtel yo levé, c'est là yo fait vie, c'est là yo et c'est là yo fonctionné. Vous comprenez ça? En pile nan yo. En pile nan nèg sa yo, malgré l'état paye bureau yo, mais l'état gon l'autre bureau la paye pour yo à part dans l'hôtel. Et puis on peut pas mourir comme ça. On met nos situations aussi graves. Pour moun tande k'ap di peuple a besoin de plaigner pour gaz qui montait parce que yo achetait le bien cher. Là n'a parlé de un bagage informel. OK? Gaz peuple acheter bien cher sous marché informel, là pas besoin ouais dans ça ou même. Ça sous bagage informel lié. L'état doit garantir que tout bagage fait de façon légale dans pays là. Gaz là, il doit fait de façon légale pour peuple a joindre ni pour fonctionner. Pour c'est pas dans contrebande pour peuple a payer un grain galon gaz. Donc première journée de grève qui était annoncée par les syndicats de transport en Haïti, mesdames messieurs, parce que c'est 3 jours, c'est lundi 26, mardi 27, mercredi 28, 3 jours. Premier jour a nettement réussi. Lundi 26. Donc nous levé mardi 27, n'a regardé pour nous comment situation li même la pire. N'a regardé pour nous mesdames messieurs évolution comment la pied mais premier jour était totalement respecté. On attend et peuple Kafou nous nous était dans manifestation, peuple Kafou était prêt disposition, il dit la piquer la ville, il passé mardi ça en foule. C'est nous voulons gagne bagaille nous ka faire. Et c'est ça qu'elle me dit nous, c'est nonchalance tout faire nous là. C'est nonchalance tout mettre dans sagne là si nous voulons. Nous paquet bagaille nous ka faire. Nous ka changer situation si nous voulons. Bye bye tout le monde. En Kapila, nous sommes contents ensemble avec vous, nous sommes contents de partager ensemble avec vous. Mon son réflexion, j'aime toujours faire ça et c'est toujours avec plaisir. Oui. Nous portons le baou. Vous connaissez déjà Chanel là, c'est Haïti Réflexion. Zami qui avec moi, c'est Esdras Fizeme. Mais nous invitons, mesdames, messieurs, partager vidéo, nous yon, faire le marché, faire l'aller plus loin pour plus moun ka gen possibilité pour yon rete connecté à tout ça qui a passé. Pas oublier, partager, liker, commenter. Et ou même c'est pour la première fois tomber sous nous, Chanel là, c'est Haïti Réflexion. Nous invitons Kounia la même, activer cloche notification qui donc abonné. Pour pas rater aucun dans vidéo nous. Bye bye tout le monde. N'ap croiser un peu plus tard pour une autre vidéo.